secondo me, ma poi posso andare alla Tonnerie, se avuto telefonare, allora andavo il vigneto di fuori, qua sulle tavole, stanno delle Tonnerie. Allo, in volume? Oui, ça va, merci. Ogas n'est pas encore rentré. Ogas n'a pas dit, Lina, Ogas n'est pas encore rentré. Oui. Hein? Non, monsieur Araya, mais là où tu m'appelles là pour demander au Radara, vous oubliez qu'il y a le couvre-feu, hein? Bien, là où tu m'appelles pour demander au Radara, tu dis qu'il y a le couvre-feu, hein? Ma mise à radar, parce que je ne veux pas trop parler de Kamba Miyamane, au moins de Woga Soubé. On va dire que moi, comment je suis mauvaise quand je veux parler, quand je vais parler, en Ndebe Kounyamane, moi je suis mauvaise, je veux vous séparer de Radara, je veux vous séparer de votre frère, de votre ami. Ndora Noemane aussi, ce que Radara fait là, c'est normal. Ce que, la vie que Radara mène, ça c'est une vie normale. Un père de famille, un grand-père, c'est la vie de Radara, la vie que Radara veut mener, la vie de débauche, c'est une vie normale. Un père, un grand-père. Un ancêtre, un aïeul, c'est normal comme ça là. Au Canada, 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 ou bien il y a quelqu'un qui est mort, au Canada, au Cali, c'est là où il va rentrer. Ça, c'est quel genre de vin? À ce moment-là, j'étonne des yoga loubou, bien que des yoga loubou, mais de temps en temps, je suis dans mon petit verre de vin, en parlant de vin. Chancia, amène-moi un verre là-bas, tu me sers un verre de vin. C'est normal. À vous, vous les amis de Radara, ma famille, quand vous marchez souvent ensemble, est-ce que vous vous conseillez? Est-ce que vous vous conseillerez-il quand vous marchez souvent ensemble? N'oubliez pas que Radara a un foyer. Hein? Alors vous passez le temps. Romajawadi. Romajawadi, que je vais faire moins vert là-bas. Que je vais, comme ça c'est normal. Radara a un foyer, Radara c'est un homme marié. Même si les bons maillots avaient des papiers carbone, ils étaient à la avec des papiers carbone. Ouganda, c'est un homme marié quand même. Ouganda, si c'était pour aller avec les petits copains, on pourrait qu'ils devaient connaître. Pendant une minute, je me sers un verre de vin. Ouabo, qui t'a coupé de moi? Ouganda, oui. Je disais que la vie pour Ouganda le mener, la vie là, c'est normal. Quand vous venez prendre Ouganda, si vous n'avez pas de foyer, vous n'avez pas le droit de venir dessous le foyer Ouganda. Ouganda a un foyer. Ouganda ne va pas être mané. Tchouedou, il est dehors avec vous. Tchouedou, il est dehors avec vous. Il y a à partir d'une certaine. Ça, c'est le truc que vous deviez faire quand vous étiez jeune. Ouganda, c'est un père de famille, c'est un homme marié. Il est un cadet de sa famille. Tous les jours, Ouganda. Tous les jours, vous avez Ouganda. Tchouedou, il est Ouganda. Et quand Ouganda rentre à la maison, si ce n'est pas 21h, 22h, Ouganda est là. Donc, les enfants passent même le temps là. Voilà, il y a le père. Comme ça, c'est normal. Donc quand tu as rapport avec téléphone pour composer mon numéro, moi encore pour m'appeler, c'est parce que tu voulais m'écouter parler, non? Quand il y avait des campagnes, vous allez amener mon nom partout dans toutes vos familles, ma dernière coma, je ne veux pas voir les parents de Radara à la maison, ma dernière coma, je ne veux pas voir les amis de Radara à la maison. C'est pas vous que Radara couche. C'est pas vous qui subissez les caprices et les déboires de Radara ici, là. Je suis turbulé. Je suis complètement turbulé par vos comportements et franchement, je suis désolé de te le dire. Tu es mon beau-frère, c'est vrai, mais en tant que beau-frère quand même. Wouh! Vous n'avez pas mis à des... Ah, les beaux-frères hypocrites. Les beaux-frères hypocrites. Wouh! C'est devant moi. Oh! Ah, Lionel Kokolo. Araya Kokolo. Wouh! Araya Kokolo, Kokolo, Lionel. Oui, c'est devant moi vous parlez autre chose. Quand vous avez au Radara, vous parlez autre chose. Au Radara vient de dire tout. Au Radara vient de bien aller au danger. Quand je suis dans la chambre avec mon homme, au Radara me dit tout ce que vous lui dites. Tout ce que Radara vous dites à au Radara vient de dire ça. Donc à un moment donné, il faut apprendre quand même à respecter les foyers d'autrui. Vous êtes des belles sœurs, vous êtes des beaux frères, vous n'avez pas à venir interférer dans le foyer de votre frère ou de votre sœur. À un moment donné, cette sorcellerie doit finir. Cette sorcellerie doit finir. Quand au Radara est venu m'épouser, il est venu m'épouser moi. C'est vous aussi qui êtes venu m'épouser. Donc, avec ce que Ngoyeno appelle la dernière fois. Ngoyeno, j'ai dit que mien, comme un dernier combat, je suis une femme vendue. Ngoyeno ne pourra plus jamais me traiter mon calia.
Mazeta, que ce soit la grande sœur de Madame Mazeta, mais le nom ne le fera plus jamais.